ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفاعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un manuel de mon message aujourd'hui à Bill que j'ai éveillé. Et Alhamdulillah, et mon billah, et mon groupe, c'est tellement frère, et non, pour comme on dit, bon, qui est oui. Alors je me sens tellement bien à l'aise, Alhamdulillah, malgré que c'est une place qui, première fois, on veut vous causer. Et pour les autres qui sont vraiment contents pour être comme les autres aujourd'hui, et surtout pour être présent dans un centre qui s'appelle Hunayn. Le mot Hunayn, pas qu'on est qui fait depuis tout le temps, pour qu'on entende ce mot-là. À cause de la mauvaise dessin. Hein. Pour qu'on entende ce nom-là, le nom Hunayn, parce que ça rappelle-moi un événement particulier. Et rappelle-moi une culture particulière, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم et le jour de Hunayn, quand votre nombre s'y fait juste étonné. C'était dans la bataille de Hunayn, une bataille qui que le musulman dit en nombre, c'est en beaucoup, c'est en beaucoup même dit. Alors de quoi le nombre pour faire cette victoire? Et les batailles qui commençaient, elles commencent à faire des fêtes avant. Je ne vais pas vous rendre dans le détail parce que ce n'est pas le sujet à vous dire, Hunayn, mais quand vous êtes en train de temps vous m'avez dit ça, vous voyez où Hunayn. Le jour de Hunayn. Alors, ça rappelle-moi une chose fondamentale. Mais dis-moi, la victoire, il n'a pas dépend de la qualité, de la quantité de ressources qui tu es là, mais il dépend de la qualité de ressources qui tu es là. La victoire, il n'est pas dépend de la quantité du monde qui vient de te causer, il dépend de la qualité du monde qui vient de te causer. C'est une chose fondamentale et à chaque fois que vous pouvez vous enfermer, si l'occasion permet, bien sûr, et si je trouvais qu'il vaut la peine que vous vous en encore comme ça, alors vous vous rappelez que ça les sera bien. Qui n'a pas dépend de nous-mêmes, n'a pas dépend de nos ressources, mais dépend de nos vies, c'est lui, à travers lui, qui est la victoire pour nous. Donc, votre frère, aujourd'hui, nous pouvons ensemble pendant quelques minutes. Ben, vous avez des théories, vous êtes trois pendant. Il y a un peu de temps. Et moi, dans les poissons, comme ça, tout bien. Alors, Inch'Allah, ça va bien. Et moi, frère, merci beaucoup. Ça gagne pas qu'un sens. Qui pourra y aller. Ça va, ça a commencé, ça va. Alors, j'ai dit beaucoup d'intérêt dans le sens de l'épreuve. Qui signification test dans la vie. Qui fait nous gagner ma difficulté, qui fait nous gagner ma test dans la vie. Un frère, c'est une question fondamentale, parce que plus du monde qui persistait là, à un moment donné, de vous faire face. Soit même déjà faire face à ma test, à ma difficulté, soit de faire face à ma test, à ma difficulté, ou soit de vous faire face à ma test, à ma difficulté. Est-ce qu'il ne peut pas imaginer un navire sans difficulté? Non. Sans test? Non. Pas pour pas imaginer. Donc, vous pensez que ça sujet à ce là. Et par contre, si elle une catégorie d'immune, elle concerne toute catégorie d'immune. Qui se jeunesse, ce enfant, ce grand immune, ce madame, ce jeune fille, elle concerne tout d'immune ça. Avant qu'il nous réponde à sa question-là, qui sens de l'épreuve dans la vie, qui sens de la difficulté dans la vie, il y en a trois points pour mettre en évidence. Premier point, tout d'immune qui est un iman pour être testé. Tout d'immune qui est un iman pour être testé. Moi, là, dans le Coran, dans le surat D, ayat 214, il va dire « A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim »« Am hasibtum an tadkhulul jannah » Est-ce que je peux penser?
متجمع. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه Le messager et pas qu'un avec lui fin dire matin Allah, quand est-ce qu'Allah se lève pour descendre, quand est-ce qu'Allah se lève pour descendre, il arrive un moment d'un pic de cette difficulté de t'arriver à dire mais quand est-ce qu'il lève Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre. Donc difficulté, c'était, vous comprenez, c'est un sunnah de haya, c'est un principe de la vie. Et pour arriver au moment qu'il nous dit qu'on a mis l'imam, vous pouvez tester ça. Qu'il soit grand, qu'il est petit, les pauvres, les riches, il y a beaucoup qui s'en a, que vous passez pour un test. Allez, ça vient à nous. Et aujourd'hui, ça causerie aujourd'hui là. Donc, il y a envie de mettre en évidence là-dedans. Qui fait un gain de test là? C'est la question qui m'a fait. Qui fait un arrivée ça? Ça vient de ta vie? Il y a ma difficulté, qui fait la réponse? Est-ce qu'il est arrivé pour poser sa question? Qui fait mon passe là? Il y a plusieurs raisons qui fait tester ça aussi. Deuxième point qui m'a envie de mettre en évidence, chacun peut être testé d'après sa capacité. Chacun peut être testé d'après sa compréhension, d'après sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas mis aucun taklif ou indiquer excepté ce qu'il est capable de tenir, ce qu'il est capable de soigner. Pas pour mettre difficulté au-delà de ta capacité, non, ce qu'il est capable de soigner. Jamais arrive-toi dans ton esprit, jamais arrive-toi à dire, on peut gagner quelque chose, pas qu'on est qui fait moins gagner ça, on n'est pas capable de tenir ça. Non. Quelque chose qui te gagne, c'est dans ta capacité, dans ton niveau, dans ta compréhension. Plus ton daraja monte, plus ton niveau de compréhension monte. Puis tu m'as testé plus fort. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu al-bala al-anbiya. Ban qui t'y plie dur, ban qui t'y testé plus durement, c'était ban prophète. Parce qu'il y a ce niveau de compréhension qui est un autre niveau. Donc, ban testa n'est plus fort. Ça aime dans ce niveau, ça aime dans cette compréhension. Un enfant, il y a un test à ce niveau, il y a une épreuve à ce niveau. C'est qu'il y a une épreuve dans ce niveau, un grand niveau. Et chaque fois que ta connaissance augmentait, ton iman augmentait, te test par rapport à ta connaissance et à ton iman. Allez, très bien. Maman, c'est ton iman qui augmentait. Moi, elle a dit, oui, mais d'ailleurs, comme ça. Regardez, moi, comment je fais la masse, comment je gagne un problème. J'ai dit, quand tu fais la masse, tu gagnes un problème. Ouais. Il paraît pas logique, mais c'est ça. Quand ton iman, quand tu fais soigner ton iman, là, qui te pose un problème. Là. Pareil comme maman Jean. Pas de dix mounes qui étaient vivent dans l'époque, c'est les rois qui disaient deux dans dix faits. C'est qu'on appelle ben Ashab, le Khudoud, ben les gens du tranché. Si fouille un tranché, tu mets dix faits là-dedans. Ensuite, ils disaient pas de dix mounes qui étaient là, imam. Allah dit dans le Coran, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ Ben n'a pas fait une grande révanche pour un savant dix mounes là. Il l'a accepté. Un yu'minu lillahi al-aziz al-hamd. Accepté qu'il le fait. T'amène iman dans Allah le digne de très loué. Le fait que je t'amène iman, teste-le. Moi, t'amène iman, moi, ton iman augmenté, testé ça. Troisième point, chacun peut être testé dans différentes façons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nous pouvons tester autres, nous pouvons tester autres avec inquiétude de la peur, de la faim, diminution d'entrée dans richesse, l'amour de te manque proche et diminution de te manque du bien qui te est là. Chacun peut tester dans cette façon. Et là, qui peut gagner une difficulté physique, maladie physique, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable. Il y a une petite chose avec ce repos, être malade dans ce repos, ça a une test folie. Et là, qui vous gagne une difficulté sociale, il y a une tension entre la famille, tension entre monsieur et madame, et là, tension entre enfants, parents-enfants, ça a une difficulté là pour lui.
Et là, qui vous gagne une difficulté spirituelle, par exemple, Mme Zenis Azouzi, qui quand on a commencé des sirènes qui m'a aussi dans le chemin, je dis une difficulté pour qu'elle se trégale. Je dis moi, elle dit, pas facile ça, pas facile ça. Et ce trégale Azouzi, pas facile ça. C'est pas des fermes rigoles, c'est des caractères, même ferme. C'est un djihad ça, c'est un test. La façon la plus haute. Et là, j'escalère, il peut faire la masse pendant 30 bananes, j'escalère, il n'est pas capable de mettre un rochon dans son salat. Il y a encore une salat routine, bicyclette, battez pour aller, pour venir faire un salat. Vous pouvez la manifester, vous êtes capable de faire un salat, vous êtes capable de faire un salat, vous êtes capable de faire un salat, vous êtes capable de faire un salat.